Nous sommes saisis de cette question parce que notre commission qui s'appelle Solidarité et Inclusion Sociale avait comme thème la santé. Et on a réfléchi, c'est quoi la santé? Et on s'est aperçu que dans notre réflexion, il y avait un sujet qu'on n'abordait jamais, la santé des jeunes. Donc on a essayé de travailler sur cette question, la santé des jeunes, et on a essayé de travailler sur les âges et tout ça, et il nous a paru que les âges n'étaient pas un bon sujet, mais plutôt les lieux, l'école, l'apprentissage, tout ça, et c'est comme ça qu'on s'est mis à travailler sur ce sujet. Notre constat, c'est qu'on s'est aperçu que l'école jouait son rôle d'éducation, mais jouait peut-être pas très bien son rôle par rapport à la santé des jeunes, par rapport à la problématique des infirmières, aussi des femmes faisant l'entretien, des toilettes par exemple. Et ça nous a permis de regarder que l'école, c'est un ensemble, c'est pas que l'éducation, c'est aussi le bien-être et mental social des jeunes. Ça, c'était une question qu'on a mis longtemps à travailler. On en arrivait à la conclusion qu'il fallait créer une coordination régionale où on mettrait tous les acteurs autour de la table, la région bien sûr, l'ARS, aussi les associations, les parents d'élèves, pour que tous ensemble, tous ceux qui ont ce sujet au cœur de leurs préoccupations, puissent se retrouver et échanger entre eux.